Bonjour, bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est aujourd'hui lundi après-midi. Il est 17h20 et voilà. Il fait un beau soleil, ça fait du bien. Bon, je suis toujours malade, mais ça fait quand même du bien comme de voir ce beau ciel bleu. Et voilà, bref. C'est rapido que je viens parce que je vous avais laissé. J'avais terminé toutes mes lectures, j'avais plus de lecture audio que ma dernière lecture audio, je l'ai abandonnée. J'en ai pas repris aujourd'hui parce qu'il fait beau. Et je me suis dit, j'ai en commencé une, mais j'ai pas réussi à brancher mes écouteurs, enfin à connecter mes écouteurs du moins. Et il faut que, je pense qu'ils sont capoutes, donc il faut que je voie. Avec le vendeur. Bref, donc voilà, j'ai pas commencé la lecture audio, j'ai commencé une lecture papier hier. J'ai pas beaucoup lu, tout simplement parce que on s'est lancé dans une nouvelle série sur Netflix hier après-midi et hier soir d'ailleurs. On a commencé The Eight Show, je crois. C'est une nouvelle série coréenne ou japonaise. Donc voilà, style un petit peu Squid Game, truc télé-réalité un peu violente, dégueulasse. Faut aimer ce style-là. Donc j'ai vu ça, 8 épisodes, je me suis dit, bon, ça va être vite fait. En fait, c'est plutôt long et lent, mais ça reste ouais, dans la lignée de Squid Game et Alice in Borderland, je crois. Enfin, moi, j'ai les deux séries, j'ai tout regardé, mais j'ai trouvé ça un peu lent au niveau du rythme. Les jeux sont très longs à s'installer ou ils durent assez longtemps. Ce n'est que mon point de vue, bien sûr. Mais là, en fait, c'est. Là, on va suivre principalement un jeune homme qui s'endette, qui s'endette, qui s'endette. Et on lui propose de participer à un jeu. Donc, pour cela, il faut qu'il aille dans un. Il accepte de rester 24 heures dans un immeuble. Et en fait, il a une petite chambre. Il choisit son étage, il a une chambre. Et en fait, il se rend compte que toutes les minutes, il gagne tant d'argent. Donc, il calcule, il dit, waouh, en l'espace de 24 heures, j'ai gagné tant d'argent, je pourrais rembourser mes dettes, etc. Donc, hop, engrenage, c'est parti, sauf qu'ils sont 8. Et il se passe d'autres choses, bien sûr, ce n'est pas aussi facile que ça. Donc, voilà, j'ai regardé ça. Enfin, on a regardé, on est à l'épisode 6. Ouais, c'est ça, il nous en reste 3, regardez, le 6, le 7, le 8. Et waouh, c'est quand même complètement barré quoi. Ils sont vraiment cinglés ces Chinois. Enfin, ces Coréens. Donc hier on a regardé ça et en fait j'en ai fait des cauchemars cette nuit. J'ai trop mal dormi. Déjà on a fini l'épisode, il était minuit. Vers les minuit, je me suis dit what, il me reste plus que 6 heures à dormir. Donc du coup je me suis grouillée sauf que j'avais pas trop envie de dormir. J'ai mal dormi parce que j'ai rêvé d'un truc. Je peux pas vous le dire que je crois que c'est dans l'épisode 5, donc c'est quand même bête. Mais j'ai rêvé de ça et du coup ça. Bah. J'espère que voilà. Soit on va regarder la fin ce soir et puis on n'en parle plus. Soit on fait une pause et on reprend après. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Bref. Voilà. Donc j'ai pas beaucoup lu, mais j'ai commencé ce roman-là qui n'est pas dans ma pile à lire que je vous ai présenté la semaine dernière. Mais bon, c'est pas grave, j'avais pas trop envie d'un thriller et j'avais pas envie. Enfin, je venais juste de lire un feel good. Donc voilà, je suis partie dans du fantastique. Donc c'est Capitale du Sud, le tome 2. Donc 3 lucioles qui va rentrer dans ma lettre T pour mon challenge personnel. Et donc c'est de Guillaume Chamanadjian. Voilà, donc j'avais lu. Je les ai sortis, ils sont là. Donc là, le tome 1 de Capitale du Sud. Voilà la suite. Je n'ai même pas regardé si ça suit ou pas. Ouais, on va dire que ça se suit, les images. Et ça, c'est le Capitale du Nord. Faut que j'achète le tome 2. Je crois, il me semble qu'il est sorti en poche, le tome 2, mais je suis pas sûre. Et c'est même pas la même écriture. Ils se sont foirés. Donc bref, je suis partie là-dedans. Oh, j'ai cru que Valentin. Ah. Je suis partie là-dedans et c'est très bien parce que les toutes premières pages, il y a un petit résumé du premier tome et ça,
Ça, c'est appréciable parce que ça fait vraiment longtemps que je l'ai lu et du coup, c'est bien. Donc, j'ai lu, je suis page 57, hein, j'ai lu un chapitre, le prologue et le premier chapitre avec mon petit marque-page d'hiver. Voilà. Et voilà, j'aime bien. Faut vraiment que je vous mette dans l'ambiance. En plus, je lisais qu'à moitié, j'étais en même temps dans la série. Voilà, j'étais pas très concentrée donc aujourd'hui, j'ai un peu plus me concentrer. Je vais prendre mon petit goûter et puis prendre une petite douche et après me remettre dedans. Enfin, la douche, je sais pas encore parce qu'en fait, il coupait l'eau chaude aujourd'hui et il coupe la rue également pour la flamme pendant enfin de 18h à demain 19h alors que la flamme passe que 10 minutes dans la rue mais c'est fermé pendant 24h. On n'a pas place pour se garer, on est en plein centre, c'est super pratique. Donc du coup, ils ont décidé en plus de nous couper l'eau chaude ce matin à partir de 8h30 jusqu'à la fin de journée. Donc pas d'heure de préciser, là il n'y a toujours pas d'eau chaude. Et le problème c'est qu'ils ont coupé l'eau chaude hier à 8h30 du matin et non pas ce matin. Donc ça fait déjà 2 jours, enfin un jour du moins. Donc bref, douche ou pas douche, je ne sais pas, mais vous ne saurez pas non plus. Bref, je m'arrête là. Ça va, Cracotte? Tu tousses? Donc, je vous laisse ici. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Ça, je ne vais pas trop vous parler d'histoire, parce que comme on a vu que c'est un tome 2, ça reprend. Oui, c'est vrai que je lis beaucoup de suite en ce moment, mais là, je ne peux pas trop vous en dire. Je peux vous lire le résumé du tome 1, Capitale du Sud. Enfermée derrière deux murailles immenses, la cité est une mégalopole surpeuplée, constituée de multiples duchés. Comme commis d'épicerie sur le port, Nox est lié depuis son enfance à la maison de la Kawan, la tortue de mer. Il partage son temps entre livraison de vin prestigieux et lecture de poésie avec ses amis. Un jour, on lui confie un livre qui raconte l'origine de la cité. Très vite, Nox se rend compte que le texte fait écho à sa propre histoire. Malgré lui, il est emporté dans des intrigues politiques qui le dépassent et se retrouve confronté à la part sombre de sa ville, une cité miroir peuplée de monstres. Voilà, donc il arrive, on ne sait comment, à basculer dans un autre monde où c'est sa ville, mais genre en mode sombre, en mode brouillard. Cracotte, mais ça va? Va boire un coup? Ouais, en mode. Voilà, et puis il y a des espèces de monstres qui le voient passer, et bien du coup il flippe, il retombe, on ne sait pas trop comment dans le monde normal. Mais ce qu'il avance dans le monde, le monde miroir, le faux monde, j'allais dire, et bien il avance en même temps, il me semble, dans la vraie vie, mais je crois que c'est le temps qui est plus lent, ou je sais plus. J'ai un vague souvenir de ça, mais je suis pas sûre à 100%, mais en tout cas j'avais beaucoup aimé le premier, je l'avais lu avec Elodie, il me semble. Ah ben en janvier 2023, ça fait pas si longtemps, ça fait un an, ouais c'est quand même, ça fait un an et demi. Je l'avais lu avec Elodie, et puis elle a déjà lu le tome 2, donc du coup, moi je vais lire de mon côté. Et je verrai en même temps, je vais la voir samedi, on va se faire une petite tournée des librairies. Si j'y pense, je filmerai un petit peu le centre-ville de Poitiers, mais si j'y pense aussi, je regarderai s'il n'y a pas le tome 2 de la capitale du Nord. Les capitales du Nord, on est sur autre chose. Il n'y a pas de lien entre les deux, mais je pense que ça va venir. Donc en fait, il faut vraiment lire. Je crois que j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais faut vraiment lire Sud 1, Nord 1, Sud 2, Nord 2, Sud 3, Nord 3. Je crois qu'il y en a 3 pour l'instant. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Et voilà. Lui, j'avais un peu moins aimé Capitale du Nord, mais j'avais quand même bien aimé. Donc voilà, c'est une petite saga SF, futuriste, pas du tout, SF que j'ai beaucoup aimé. C'est pas des coups de cœur, mais je passe de bons moments de lecture. Donc voilà, je vous tiens au courant de mon avancée livresque, bien sûr. Voilà, j'espère que vous, ça va, que vous êtes bien installés, que tout va bien pour vous. Et voilà, je vous dis à plus tard.
on est aujourd'hui vendredi et je me rends compte que je suis pas venue. Enfin, je suis pas venue. J'ai pas fait une seule vidéo de la semaine. Concrètement, j'ai pas de lecture à vous faire. Mon mois avait bien commencé avec mes deux lectures, mais alors là, celui-ci, alors il est très bien, mais beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire. Et surtout, je lis très peu, donc c'est pas comme ça que je vais réussir à re-rentrer dans l'histoire. J'ai lu que ça hein, depuis lundi. Je suis page 178 pour tout vous dire. Donc voilà, j'ai pas grand-chose à vous dire. Je suis fatiguée. Qu'est-ce qu'on a fait? Bah, déjà, j'ai été malade. Enfin, je suis toujours malade d'ailleurs. Lundi, mardi, fatiguée. Mercredi, ça allait mieux. Et hier, on a eu une journée de cohésion au travail. Le matin on a travaillé et l'après-midi ils avaient privatisé un parc à côté du travail, un parc de jeux en fait, un truc en plein air, c'est en forêt. On a fait un mini-jeu, des jeux style Interville avec des trucs d'eau, des trucs. Où tu dois courir sur une plateforme qui tourne, enfin plein de petits jeux, voilà, faire un puissance 4 avec des paniers de basket, enfin plein de petits trucs. Et c'était pour réunir un petit peu nous qui travaillons au dépôt et les gens qui travaillent dans les magasins pour lesquels on envoie les vêtements, hein, en gros, et qu'on ne voit jamais concrètement. Donc voilà, on était tous mélangés dans quand même 15 équipes. 15 équipes de 15, je crois, un truc comme ça. Et c'était vraiment bien, il a fait beau, il a fait chaud, on a bien rigolé. Moi, j'ai bien aimé mon équipe et en plus, nous avons terminé premier. Et du coup, c'était super bien. Et le soir, il y avait un barbecue au bord d'un lac. Et pareil, on a bien rigolé, on a bien dansé, on a bien mangé, on a bien bu. Donc, ça m'a fait du bien, je me suis libérée. Je suis encore. Bien prise dans la gorge, mais c'est tout, je suis plus enrhumée et tout. Donc bon, voilà. Et bah, fatiguée, parce qu'évidemment, on s'est dit on rentre à 23h. Donc aujourd'hui, on a embauché à 10h au lieu de 8h. Mais du coup, on s'est dit, avec une collègue, on a fait du covoit. Et puis on s'est dit à 23h, on rentre. On est rentré à 2h15. Donc évidemment, j'ai dormi que 5h. Donc là, j'ai lu un petit peu en promenant Caracotte. Comme il fait beau, je reprends. Je vais laisser tomber mes lectures audio. Selon le temps, hein, vous me connaissez maintenant, c'est quand il pleut ou qu'il fait froid parce que je peux pas tenir mon livre ou qu'il y a du vent que j'écoute des lectures audio en promenant le Krakow. Donc là, j'ai repris ça et j'étais bien dans l'histoire. Mais voilà, j'ai lu 157, 178. Tu vois, j'ai lu petite quinzaine de pages pendant que je me promenais. Donc voilà, je vais continuer ça ce week-end et emmener un autre livre au cas où parce que ce week-end, on sait pas trop ce qu'on va faire. J'ai deux trois trucs à ouvrir. J'ai reçu, alors soit je reçois rien du tout, soit je reçois tout en même temps. J'ai commandé une pochette à livres et autre chose que je ne vais pas vous montrer parce que ce sera pour quelqu'un qui regarde peut-être une vidéo. Alors, merde, je sais plus ce que j'ai pris pour moi. Donc ça va être ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est pas pour moi. Je le cache. Alors, j'ai pris une pochette à livres de chez Dessine-moi mes rêves que j'avais vue chez Petite Lettrée sur un blog. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai que j'avais une grosse pochette qui était très pratique, mais je l'ai perdue. Je sais absolument pas où elle est. Mais elle était blanche et du coup ça faisait des années que je l'avais toute tachée et dégueulasse. Donc du coup, et j'ai pris des petits motifs japonais pour changer un petit peu parce que voilà, j'aime bien cet univers. J'ai jamais de cet univers sur mes objets peinture. Donc voilà, je me suis dit c'est plutôt pas mal. Je peux mettre ça, je peux mettre ma liseuse. Donc, je pense que dans mon sac à main, voilà, par exemple, ce soir pour partir, je mettrai ça et ma liseuse. Ah, il y a même une petite pochette. Je sais pas pourquoi, mais peut-être pour mettre la liseuse. Ah, ben, très contente. Impeccable.
C'est pas trop, pas si cher que ça, j'allais dire c'est un peu cher, mais non, je sais plus du tout combien j'ai payé, parce qu'en plus j'ai l'autre cadeau avec, donc voilà, j'ai un petit marque-page, enfin petit, un marque-page avec les coordonnées derrière, mais bon, elle est assez connue sur Instagram, moi je connais pas trop, mais bon. Alors, merci pour votre commande, je l'ai emballée avec soin et plaisir, j'espère qu'elle vous plaira, merci Alice. Très bien, et j'ai également une carte. Une très jolie carte d'ailleurs. De la Grèce où je tremble. Bref, voilà. Je suis contente. J'avais complètement oublié. Ça fait un bail que j'ai commandé. Et j'avais complètement zappé. Donc ensuite, j'ai reçu donc mes deux commandes que je reçois tous les mois. La T-Box et la Sipour Box. Que je reçois tout le temps. En même temps, la même semaine. Donc à chaque fois, vous avez les deux unboxings. En même temps, donc si vous ne voulez pas avoir la T-Box ou pas vous faire spoiler ou je sais pas trop quoi, faut passer parce que là c'est le coffret T-Box. Je vais voir, j'espère qu'il n'y a pas de citron comme il y en a eu beaucoup dans la dernière box. J'adore! Ça m'a l'air. C'est gonflé! Elle est super belle! La balade parisienne. Il y a toujours les petits détails. Ah oui, en fait, ça reprend comme ça, je suis con. Alors, balade parisienne. Découvrez les saveurs et les arômes qui capturent l'esprit de la ville lumière, des rues pavées de Montmartre à la majestueuse Tour Eiffel, en passant par les quais romantiques de la Seine. Emportez un morceau de Paris chez vous et laissez l'esprit de la ville infuser dans votre quotidien. Ouais. Avec chaque tasse, c'est une nouvelle scène parisienne qui se dévoile riche en culture et en histoire. Préparez-vous pour une promenade à Paris, une expérience qui capturera votre cœur et éveillera vos sens au rythme de la capitale française. Donc au rythme des klaxons. Alors, qu'y a-t-il de bon là-dedans? Ah, c'est froid! Je suis en short, je suis plus habituée. Hein. Alors, le cahier des saveurs, donc ça. Du daman, du palais d'été. La petite carte postale, toujours. Je la prends souvent en marque-page du premier jour, enfin, de mon premier roman, du mois de la T-Box, bref. C'est ça qui était gonflé des pop-corn. Caramel beurre salé. Alors, qu'avons-nous en thé en vrac? Thé vert bio aux notes de rose et de fraise. Paris est une fête de Georges Canon. On va toujours fou, c'est chiant. Alors, premier baiser maison bourgeon, un thé noir, amande, cerise, gingembre. Ensuite, un thé noir aromatisé, châtaigne et mauve. Alors, quel est le goût du mauve? De Quartier Latin de chez Latte Box. Je suis curieuse de goûter du mauve. Et ensuite, de chez Daman. Oolong, aubépine, rose, jasmin et acacia. Bon, déjà, le vrac, je vais pouvoir tout boire. Ensuite, les petits sachets. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. Ah, bah, celui-là, il est bien connu, hein, le thé des moines. Thé noir et vert, recette florale tibétaine. De chez Palais d'été. Donc je dis bien connu parce que souvent, c'est des trucs qu'on a dans les concours, la Sipour Box. Montagne bleue, oh, je l'adore. Thé noir, fraises et fleurs. Celui-là, je l'ai déjà acheté en big sachet. Le thé du Louvre, on dirait qu'ils se sont débarrassés de plein de petits thés, parce que d'habitude, on en a par deux. Le thé du Louvre, côté court, alors ça, je connais pas. Thé noir fruité et envoûtant en notes d'agrumes et de mûres sauvages. Ah mince! Ah, ça sent l'orange plutôt. Ça devrait le faire. Infusion du Louvre. Oh, menthe poivrée, baie de sureau et myrtille. Très joli. Un peu doré. Ça c'est bon. Ensuite, thé du Louvre. Là j'en ai deux. Pomme, prune et coing. Voilà, en vert. Ensuite, là c'est pareil, j'en ai deux.
Palais d'été, infusion du Louvre. Mais c'est que des infusions du Louvre. Ah non, thé, infusion. Vanille, orange, caroube. La caroube. Voilà. Et les deux derniers, thé noir aromatisé. De chez Daman, aromatisé à quoi? Pétales de fleurs, vanille amande, huile essentielle de rose. C'est mis dans ce sens. Voilà. Et bah super. Bah, et là, c'est bien complet, hein, je trouve. Super. Super chouette. Alors, hop. J'ai pas beaucoup bu de thé de la dernière thé box. Il va falloir que je remédie à ça, mais voilà, je suis complètement à outre. Donc là, la Sipor Box. Quel roman allons-nous avoir? Alors, bienvenue en juin, le mois où les journées s'étirent et où le soleil nous invite à la paresse et à la lecture en plein air. Nous avons concocté une sélection de livres qui sauront vous accompagner sur la plage, au parc ou confortablement installés chez vous. Impeccable. Ouh. La petite illustration du mois qui est de Mathilde Robin. Voilà. Le marque-page. Un problème sans solution est un problème mal posé. Le marque-page classique, les petits thés. Alors là, qu'est-ce que nous avons? Infusion gourmande, la robe pourpre de chez Jeanne-Antoinette. Pomme cassis, hibiscus framboise et thé blanc abricot pêche. J'aime bien le thé blanc le matin en ce moment. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Nous avons un espèce de petit truc en cuir qu'on peut attacher à quelque chose. Alors là, je dois être passée pour une cruche, mais je ne vois pas à quoi ça peut me servir. La surprise du mois. Vous vous demandez sûrement à quoi sert cet objet. J'avoue avoir été dubitative au début. Ce petit gadget est en fait une pince à chapeau à enrouler autour de votre sac, sacoche, banane, valise ou autre. Il vous permettra d'y accrocher votre couvre-chef afin de ne pas l'avoir dans les mains quand vous ne voulez pas le mettre. C'est pas du génie, perso, j'ai hâte de l'utiliser. D'accord, donc t'accroches ça à ton anse de sac à main. Et après, t'accroches ton chapeau, quoi. Pourquoi pas? J'aime bien la couleur, là, je vous mets ça, c'est très bien. Ensuite, le livre au petit livre. Donc, thriller, hein, je suis toujours. Du coup, je suis restée dans les thrillers. Ah, excellent! J'ai failli l'acheter l'autre jour. Marlène Charine brûle les âmes chez Le Livre de Poche. J'avais failli le prendre quand je suis allée à Leclerc Occasion l'autre fois. Je sais plus pourquoi. Je crois soit quelqu'un l'a lu sur le groupe du Tour du Monde, soit on m'en a parlé. Mais il y avait une raison, hein, parce que Marlène Charine, là, ça me parle. Par la lauréate du prix du polar roman. Ça me parle pas, par contre. Bref, voilà. Ma petite lecture en plus. Alors là, il fait 350 pages à peu près. Alors, séquestré par un psychopathe, Cécile Rivière, lieutenant stagiaire, a été sauvée in extremis par son supérieur et amant, le commandant Merlin Kermarec. Même si les cicatrices du traumatisme s'estompent, la jeune fille a du mal à reprendre pied. Elle retourne pourtant au boulot, espérant démarrer par une affaire simple. Vœux pieux. Un ami de Merlin leur demande de retrouver Louise, sa fille disparue. Pardon, je galère à lire. Hein. Et Cécile, médium à temps partiel, sent tout de suite autour de lui une présence
Une ombre qui glace le sang. Elle est certaine, elle en est certaine, la mort fait déjà partie de cette enquête. Ah oui, c'est une suite. Ok. La suite des aventures de Cécile Rivière et de Merlin Camarac après Tombent les anges, prix du polar, roman et prix 100% polar 2020. Ah donc c'est la suite de Après Tombent les nuages, parce que oui, bah ça se voit dans le résumé en fait. Enfin, ça s'entend qu'on a raté une époque. Une époque. Un épisode. Tombent les anges inconditionnels, Léonie. Ah, mais j'ai lu Inconditionnel. C'est pour ça que ça me parle. Donc, faudrait que j'achète Tombent les anges alors. Pour lire dans l'ordre. Parce que moi, je lis dans l'ordre. Ok. Ah, ben ça doit être ça, Marlène, Charine, ça parle. Mais cette couve me parle aussi, donc. Bon, je retrouverai pas, ça sert à rien que je persiste à dire ça, je ne retrouverai pas. Bon, bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais aller ranger tout ce fouillis. Et puis voilà, mais je suis ravie de cette jolie pochette. Et on peut choisir la couleur et son pendentif. D'ailleurs, j'ai pris rose. Une fleur rose pastel, rose pâle. Très jolie. Je suis très contente. Je vais pouvoir mettre ça, hop, liseuse et libre. Impeccable. Bref, voilà, je vais vous laisser ici. Je vais voir, parce que je vais voir Elodie demain. Je vais voir si c'est toujours maintenu. Et voir si on va se promener dans le centre et acheter des livres. Parce qu'on n'en a jamais assez, bien sûr. Bref, voilà, donc je vous laisse ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Oui, je sais plus si je vous en avais parlé, mais que j'avais commencé à regarder The 8 Show. Je crois que oui. On est rendu, je crois que je vous en avais parlé, et on a presque terminé. Il nous reste 45 minutes du dernier épisode, donc on est vraiment à la fin. C'est quand même assez lent et long, je trouve, de mon point de vue. Je crois que pareil, que j'en avais déjà parlé. J'aurais dû regarder ce que j'ai dit avant. Mais ouais, c'est assez long. C'est à la Squid Game et Alice in Borderland, là. Et je les avais déjà trouvés longs et lents. Certaines scènes, certains jeux. J'en avais discuté avec des personnes qui avaient regardé aussi sur Instagram. Mais ils n'ont pas trouvé spécialement que c'était long et lent. Donc ce n'est que mon point de vue. En tout cas, je garde le même point de vue ici. Vraiment, les épisodes sont. Pour moi, on peut en raccourcir, déjà faire que 6 épisodes au lieu de 8. Mais voilà, c'est. Je dirais pas que c'est bien hein, comme série. C'est complètement taré. Mais concrètement, hein, on a regardé, mais c'est incohérent, c'est taré, c'est. Je comprends pas comment on peut inventer un truc comme ça. Enfin, je sais pas. C'est pas du tout crédible en fait. Enfin, à mes yeux, c'est pas du tout crédible. Il n'y a rien qui est crédible dans ce truc. Si, le concept, au début, tu vas dans un immeuble pour éponger tes dettes, on te propose de gagner de l'argent à rien faire. Bon, ça, c'est le monde un petit peu réel, on va dire. Même si je suis pas sûre que tout le monde irait s'enfermer dans un immeuble 24 heures pour avoir de l'argent gratos. Mais ça me choque pas trop l'idée en soi. Mais. Le reste, des fois je regardais, je suis non mais c'est pas possible. Mais en attendant, bah, souvent j'aime bien regarder la télé, un truc, et lire à côté. J'arrive à peu près à... Enfin, j'arrive à suivre les deux, je sais pas comment je fais. Mais j'arrive à suivre les deux. Mais là, avec ce livre-là et The 8 Show, impossible. Hein. Je lisais deux lignes, je comprenais rien. Enfin, celui-là, faut être concentré. Donc, du coup... C'est pour ça aussi que j'ai pas trop regardé. Bon, après la série, on a regardé que mardi soir, je crois. Lundi soir, on a mis Divergente. Il y avait le dernier de la trilogie. Et j'ai pas réussi à tenir tout le film. Je me suis endormie. Mardi, je me suis endormie. Hier, je crois qu'hier, on a regardé un petit peu. Ou c'est mardi, je sais plus. Bref, on s'en fout. Et hier, bah, je n'ai pas regardé du tout. J'ai pas lu, j'ai pas regardé. Donc voilà, The 8 Show. Ah, je sais pas si je dirais que je la conseille ou pas. Hein. Franchement. Voilà.
Et en film, on n'a rien regardé non plus. Voilà. Bon, sur ce, j'ai fait le tour. Moi, je vais vous laisser là et je vous dis à plus tard. Je pense que je reviens pour conclure le vlog, hein. Certainement. Bref, on verra. À plus tard. Alors on est aujourd'hui dimanche fin de journée et je viens de conclure mon vlog très rapidement comme d'habitude. J'ai pas terminé. Je suis page 305. Donc j'ai quand même bien avancé. J'ai lu plus de 100 pages aujourd'hui. J'ai lu tout le trajet de retour. Et du coup je suis bien dans l'histoire. Peut-être quand même le terminer aujourd'hui, mais rien n'est encore fait. Ouais, il me reste 105 pages à lire, peut-être pas quand même. Donc bref, voilà, vous aurez mon avis final la semaine prochaine. Donc voilà, je vous laisse ici. J'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé un bon week-end. Je vais me dépêcher à monter le vlog maintenant pour l'avoir, pour qu'il soit en ligne le plus vite possible. Et voilà, je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes vacances si vous êtes en vacances, tout ça, tout ça. Et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien, salut!